Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, et comme étant autre solama sur la RDC, à la une, Ndeka Boyokaki, une république de Kivu revendiquée à Bukavu, secret dévoilé, que Ezaba militant ya INC de Kamere. Sans mon émission, Oyo, Tokoyoka le souche téléspectateur, Denis Mukwege en colère, Bati Kombone, Nava liste abattu à république de Kivu. Alors, Ezaba boulou l'émission, Oyo, tantôt l'on va kese ya kouinda, donc, Kounabana INC, Batangi kombo na bango. De l'autre côté, Denis Mukwege, en colère. Toko développe en émission la biso. Pe toko landa extrait vidéo. Deuxième point, chers téléspectateurs. Amida au parquet de Matiti. Alors, madame Kamera Kindeki, boyebete ba bengsa ki elibosu le 26 akindeki te. Alors, batiaki sur date, semaine oyo akinde. Alors, Azala ki mercredi, alors ba tuna ki ba question. Et puis, message o ebimi secret dévoilé, et Azala ki très tendu. Eza somo, n'émission oyo, ndeka tolo ba toujours donc kuna na katia parke ma tete, e yindaki. Alors, ba sengi a zonga li sou. Toko développe en émission la biso. Troisième point, chers téléspectateurs, Eza Som et Yindi entre Fachi et Kabila. La MONUSCO joue les médiatrices entre Kabila et Tshisekedi. Donc, Esenga ki MONUSCO akende akutana na Kabila, akende akutana na Fachi, poete bango rencontre Wane Salama. Parce que Fachi était en colère, Kabila de l'autre côté en colère, alors les assommes, kakana pona le souche téléspectateur. Bientôt, la démission d'Entunda Yakasindi. Toko développe une émission là-bisou. Alors, chers téléspectateurs, comme il a premier point là-bisou, la République de Kivu. Et l'Obama qui mingi, peuple congolais va tenir ma question. Alors, chers téléspectateurs, dossier Oyo à Kivu est béni par dernier des dégâts. Et comme jusqu'à ce point, était gouverneur Aya Aluba. Alors, na Oyo à Kivu, toko divisant en deux parties, toko banana nundenge nini, gouverneur Aya pour intervenir, et puis la deuxième partie, Esaya Deni Mukwege, Ndenga Lubaki. Alors, les assommes, Tokolanda extrait vidéo. Une république de Kivu revendiquée à Bukavu. Selon plusieurs sources, la ville de Bukavu s'est réveillée ce 1er juillet avec des drapeaux noirs, jaunes, bleus, proclamant une république de Kivu accrochée à plusieurs arbres de la ville. Ils ont attiré l'attention des habitants qui s'interrogeaient sur les auteurs de cette proclamation. Donc, nous revendiquons. Mais à Mawatro, il n'y a pas de fumée sans feu. Bato babanda makamokala. Ideni ne banda ki bango basala makambo oyo. Mais ce qui est grave, balobi ke baza battu à caméra. Bisou ya kanava preuve côté la noche et les autres. Ce que mouni ba komi ma kambo, ce sont des bateaux très sérieux. Une république de qui vous revendiquez à Bukavu, na siège ya caméra. Pourquoi INC sur Kivu? Nani atangi bango? C'est ça. Débat na biso ya lelo na émission. Est-ce que Kamera kotinda bomba sa makamba boy?
Eza somo che telespectateur, mais enquête eza makasi, enquête eza nkou, batouana bazo luka bango. Mais ou eza mawa, eza komona koma batou, bazana ba ide ouyou. Eza ba ide mofu ba kasango mbala moko. Ba ide a balkanisation. Toko yoka mkwege na deuxième partie. Alors eza somo che telespectateur, batou bala mokabwe drapeau. République de Kiev. République de Kiev. Faut mon abe infiltré basé vele kuna. Biloko abwe batu anwa la légèreté o nenge gouverneur a lobi ke basa batu modo. Mais il faut bota la gouverneur ne ime o lobi anwa l'otol la nana gouverneur a kisi Kiev. Bon, on doit continuer mission na biso. Réunion du Conseil de sécurité provincial pour évaluer ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Un petit drapeau qui a été fabriqué par quelques délinquants irresponsables. Et je crois que les gens ne doivent pas craindre quoi que ce soit. Il n'y a pas de République du Kivu dans la province du site Kivu. Donc toute la situation est sous contrôle. C'est un acte de quelques drogués, quelques personnes antipatriotes. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi que ça va acte mon battement codo, drogué et tout ça. Il faut qu'on lande la bango parce qu'il y a des soupçons. Ndenge to tchelibi non émission. To yila abino ba yidi passe ma kambo yo. Ba lobaka toujours n'y a pas de fumée sans feu. Certains sous-soupçons en outre inaction des partisans de Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du président Tshisekedi, récemment condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics et originaire de Sud Kivu. Et bimi pourquoi ba tangi yango do ebima na okaka bo biso to ali aka poto tie la bino bino bimo me a message obi tala wo e komami tala wo e komami obi ke za som eske bande kwa INC ba kosa makamba boy eske kamera kotinda makamba boy do za ba question kaka. Parce que Kamerhe Yemoko, Azaï Konobake, il n'y a pas de récréation dans ma cambofou, ma cambotambo la kitoko. Mais ma cambotou Kamerhe Lobaki est kebena kitoko te, a se retrouvé wapi, na makala. Lelo le soussou, ma cambo ebini. Alors que lui-même Kamerhe était là, tant wa kendaka kuna, donc a soye saka peuple, donc, ke basa la bomoko ensemble cache, il dépèse. Donc, et ça m'a waché téléspectateur. Donc, IDPS et INC, bah, comment qu'ils ensemble? Mais, ma kamboyo, passe fatigué côté état de droit, l'inkozong a simati. Alors, chers téléspectateurs, bah, tchè INC, pourquoi? Parce que, bah, lobby, été Bango Baza et ça donc siège à ya Kamerhe. Ils atterrissaient, ils attisseraient l'agitation indépendantiste par mesure de rétorsion. Lors des protestations contre la condamnation de Kamerhe, cependant, ces partisans avaient semblé peu nombreux. Alors, wana soupçon oyebimi. Alors, tokende directement na deuxième partie na wana première partie, to tika ngona bino bo commenter soki vraiment basa batwa INC batombo la drapeau boy. Et puis denini bango ba jipe na koyela biso makamba boy. Ce sont des infiltrés. Alors chez les teza mawa. Alors tokende soko na deuxième partie deni mukiki. Il a condamné. Et puis, ba tche kombo na yena mama kambo. Ba sali ba fo ba liste na bango. Ba tche kombo ya docteur Mukwege. Azana colère. Donc, azolo ba diskuru wana colère mabe. Donc, lera Mukwege bena lui menane yango sa biloka boy. Et puis, il a tout condamné. Ke batu wana. Il faut ba kanga bango. Ba sambi sa bango.
par ces régions où il est souffrir ma cambouébélé. Le quoi région est souffrir ma cambouébélé, son moutandenga ba zuye, il faut penza, ba kanga bango pi ba samsa bango. Et puis à sengi dans la communauté internationale, na ou est sur le kangou. A raconter chez les résultats. Alors, tout le monde a tenu mon kweke, bon, on continue mission à mission. Aux institutions nationales, internationales, depuis quelques jours circulent sur les réseaux sociaux des messages appelant à la création d'une soi-disant République du Kivu. Un projet, bien sûr, dénué de sens et qui ne rencontre ni les intérêts ni les aspirations de notre population. Hier, le 1er juillet 2020, les instigateurs de ces complots ont franchi une nouvelle étape en publiant une liste de membres de leur prétendu gouvernement sur laquelle mon nom a été illégalement inscrit. Je tiens tout d'abord à exprimer ma désapprobation face à ces agissements qui relèvent de l'usage du faux et de la diffamation passible de poursuites judiciaires. Ensuite, je tiens à attirer l'attention de notre population sur le piège que cachent ces fallacieux projets d'indépendance du Kivu. Objectivement, c'est une énième tentative de déstabilisation et de démembrement de notre pays. Ces auteurs seraient le même traître qui, depuis 25 ans, en complicité avec des forces étrangères, impose à nos populations des guerres et des souffrances insupportables. Leur but est de nous voir divisés et affaiblis pour mieux piller nos ressources naturelles et asservir notre population. Ce sont les mêmes qui, depuis 10 ans, bloquent les rapports mapping des Nations Unies qui a répertorié 617 crimes graves commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Le décompte macabre continue malheureusement jusqu'à ces jours. Certains peuvent être considérés comme constitutifs de génocide et nous rappelons que ces crimes les plus graves sont imprescriptibles. Rappelons que des femmes ont été enterrées vivantes, tout simplement puisqu'elles étaient congolaises. Des croyants calcinés dans des églises, des malades assassinés sur les lits d'hôpital, des populations des villages entiers massacrés, des femmes et des hommes violés. Ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne peuvent être ni oubliés ni rester impunis. Depuis 20 ans, le gouvernement de notre pays, l'Union africaine et la communauté internationale ferment les yeux sur ces crimes dont la liste des auteurs résumés a été même expurgée du rapport mapping à la demande et sous la pression de certains États impliqués dans les guerres qui continuent d'endeuiller notre pays. Chers compatriotes, tant que l'impunité perdurera, les criminels continueront à déstabiliser la République démocratique du Congo. J'appelle notre population à la vigilance et au patriotisme. Condamnons tous ensemble et avec énergie ces projets de sécession et de balkanisation de notre pays. Ne soyons pas naïfs. Ce qui nous tue et nous humilie depuis 25 ans ne travailleront jamais pour notre intérêt. J'appelle le gouvernement national et provincial à mener urgentement des investigations pour identifier et mettre hors état de nuire ces ennemis de notre nation. J'appelle les leaders de notre province, les forces vives de la société civile et les médias patriotiques
à exprimer leur indignation et leur rejet de ces complots. Je les appelle à sensibiliser notre population afin qu'elle préserve l'intégrité de notre territoire national telle qu'elle reconquise le 30 juin 1960 et qu'elle continue à défendre la Constitution et la souveraineté de notre pays. Alors, chers télésphètes, nous avons suivi. Ce qu'on compare Yendenga Lobby, on compare gouverneur à Sirkivu Ndenga Lobby. Au commun que Denis Mukwege Lobby en tant que patriote, en tant que donc n'a pas sa peine d'embocanaï. Adjongo la légèreté. Mais gouverneur à Sirkivu, bon, à Lobby en Kakandengo, alors que ce sont des drogués, tout ça. Non! Il faut tomber comme au sérieux. Alors, ce qui doit comparer ce qu'on gouverneur à Lobby. Na teni mukwege bino bolo basiko nani a tenu la rigueur nani azala jo laksafima posa ya mboka c'est teni mukwege alobi yango zoko ebiso solo balikam na souci teni mukwege azolo ba opena la souci ya jodono bena la colère ke batu azo ba zwi bango bakanga bango ba acte moko mystique. Et puis, il y a le sur Kanda Kombonaï. Alors, chers téléspectateurs, il faut que l'année l'année Denis Mukwege Lobby. Et ça, c'est quand le gouverneur a lobby que ce sont Batmobo et Pamba Drou. Non, bon côté gouverneur. Il faut des enquêtes, les arrêter. Tant que vous avez un bango, Okoyoka, Makamu Sekobima. Ah, Yewana, ah, infiltré, ah, Bokangaï, ah, Katsingabu, ah, Boko Kanga Kanga Bango Nyonso. Pona kadre wana sikota Boko Kanga Bango. Eko zali su teko wangananga na wangana, eko zala te, pasi wana zi suba prosia kamereti. Boko Kanga Bango. Fuba yeba pourquoi ba tangi INC. Chers téléspectateurs, Denis Mukwege Betisseti, naba voisin wa naba meka balkanisation bandakala, 25 ans, makambo ebele kaka baza ko menace. La région est menacée. Atima na mon côté, c'est ça un patriote, c'est ça. Oka mwana mboka ndeka zolo bana colère nyoso. Ah, papa Denis Mukwege. Vraiment, docteur à lobby. Passez batouan à nyonso. Tous ces infiltrés, il faut les arrêter. Parce que nous ne pouvons pas nous faire un peu de temps. Nous ne pouvons pas nous faire un peu de temps. Nous ne pouvons pas merde. Tout quoi embrouiller le peuple à la Mukanatongo. On voit des drapeaux noirs, rouges, jaunes, ou bleus comme c'est noir. Et ça va acte mon coup jamais, sabotage. Mais il faut ba yiba. Pourquoi ba sali yango? Nani a sali yango? Et pourquoi ba tangi INC de Kamere? Chers téléspectateurs, ça somme. Bisou ya kana makamu to tcheli bino. Parce que ba soupçon ou epimi. Il faut que tu aies bino bino pour débattre. Tu n'as pas le droit de faire la communauté internationale d'intervenir. Mais quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Alors, si tu as directement, il faut que tu aies publiquement. C'est que bango déjà va s'en aller de balkanisation. Comment tu as un peu de temps pour drapeau? Il faut les arrêter. Parce que bateau tous avons luka balkanisation ne bango wana okoyoka sima na bango batete kubima des grands infiltrés kubima batwano ba pakataka bango bakati frontière Rwanda Burundi bako kanga kanga bango tout le monde yana trop des infiltrés et comme tant sikoyo justice sa musala ndenge Denis Mukwege Lobby
bakanga batwana parce ce qui bakangi bango bango nde batu bazay ko yela biso ba ida balkanisation et puis batia bango na prison il faut bakena makala et ko sala somo ya to lobi ke sala ke ko yinda po docteur asa na colère o ki bomunda zo lo bawana ki baswa batwana a raconté des batwa mona ba passe kuna bino boya na makambo se bi da balkanisation zanango le colle donné ko sila ti komba fatia kanga batwana on prend tous ces gens na prison comme ça batwa va na kimia parce que ba na oya bisaka ba ida boy balkanisation alors chete c'était premier poto ti kana bino to komo le kana deuxième alors chete les spectateurs amida au parc de matiti. Alors, boyebi ki ba bengisa ki li bosa ya kiti, elle était malade. Mais en tout cas, deuxième fois, ba yusi ba avoka, en tout cas, il faut yye moka yye. Mais il y avait un problème. Malade ya bosa yo ke zayi pena malade po, ko banga. Aza mwasiye, azo banga, ki akende, parce kuna soko keche telespectateur, de sens unique. Alors, ni mes alas qui tendu. Amida Chatir, épouse de Vital Kamerhe, a été auditionné le mercredi. Pendant quelques heures, au parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matiti. Elle avait d'abord été invitée pour la première fois le vendredi 26 juin dernier. Mais n'hésitez pas à rendre ses avocats l'avaient représenté. Mais, Basengaki, présence na yemoko. Boyebe te moubane bakangaki. Alors, situation na ye est commis mouboulou. Pourquoi? Parce que Amida, collaboratrice ne azana maboko ya l'État. Vous vous souvenez, Amida était déjà à la barre comme renseignante lors du procès de Kamerhe qui avait vu son mari être condamné à des peines lourdes. Marie-Josée Mengi, l'une de ses collaboratrices, a obtenu une liberté provisoire et placée sous contrôle judiciaire. Elle était détenue depuis le 8 juin au parquet général près de la cour de Matiti. Marie-Josée, Bayoka qui a sa liberté provisoire. Moi, ça, Kamerhe, ba PC liberté. Donc, Ndenga Zana, ba lui a Kozonga. Alors, ce que vous avez dans la situation, tant qu'il y a commis, a bien engagé, il y a un gars qui a été pour place, vraiment. L'audition s'est déroulée dans un climat détendu. On a communiqué à INC et précise qu'elle reste disponible pour répondre à la justice à tout moment. Ndebozo mona wana, Madame Amida, moi sa Kamerhe, ba sali bere bango ensemble, ba kotina bana na makambu oyo. Mais, Aliwana yebi kerbaza coupable. Parce que Bela Bambongo wana l'état basakana kinango. Des immeubles partout. Mais baza kwa kise a blanchiment de capitaux. Ba dossier si la lelona lobiti. Baba na kaku kanga batu. Goupa liboso bango wana na prison bango tout. Tout le monde. Alors, chers téléspectateurs, dossier Amida, Balzo Djaba prévient Mengi ensemble naïe. Selon des sources, Mengi tient la liberté provisoire dans Bazolande naïe. Baïe ba source ba Montawana. Justice et sous Bazo travaille ma casse.
pona ko yeba ke likambo esalami poko. Alors, chers téléspectateurs, ndenge zawana amida siko azana ko banga azomona kake lobi lobi akolanda mobali nde baotanga livre na makala elobi nde koma bia amida bena laksi bena ke ok makala po aye mutande bavane na kati ya selile ya kamere bazotanga livre na Kongo me azamala lese wana yeko tala kamere mesuke zake bakangie yeba komi na selile ekoza mobulu. Alors, est-ce que Amid azo mérité bakangaye? Pourquoi ba immeuble nyoso waneza na kombo ya Amid? Pourquoi kombo a kamere na ba immeuble wanati? Ba immeuble a France, c'est pour ma femme. Asombele ba ndako wana na France, eza na kombo ba hotel waneza na kombo ya Amid. Pourquoi pas le nom de Kamere dans ma parcelle? Il y a quelque chose qui est caché. Alors, chers téléspectateurs, Amida Azati Mokangami. Balobina ya kozonga, nini zaki tandine to chelibinoana, bandeka INC bazalaki, batu bakompanya kiye, batu bazako bangarake, makale koyambayi. Me, basong sa kiendako. Nasi la bime. Donc, mon thème est là qui est colo bokuna. Nguma soka yambioka mama kal. Alors, chers téléspectateurs, tout ce qui est pour un abino, ami d'akozonga li susu, tu vois que pesa bino contre wandi. Ton le kasiko yo. Na point abiso yo bomimboka, fachi e kabila. Alors, chers téléspectateurs, tu commis na point abiso oyo. La MONUSCO joue les médiatrices entre Kabila et Tshisekedi. Donc, jeune Afrique a yindisi. Tango, jeune Afrique a mis un dossier oyu. Et ça son. Donc, ba secret toujours. Bango tamba ya kabalo ba kaba vérité. Et ça son, cette dame a sali ba démarche. Kokuta na Kabila, kokuta na Fachi. Pour Fatia Zaki na colère, na oye le kaki, yeba état de droit, boya ko simba, makambo état de droit. Alors Fatia Zaki na colère. Alors cette dame, a sali nyonso, ete Fatia na Kabila bakutana. Pour ba débattre, makambo wana. Mais Zaki facilité. Yango jeune Afrique abimisi soto benga ka secret dévoilé. Selon jeune Afrique, en tout cas, Fatia zaki na kole. Alors, na oye le kaki, na ndenge FCC loi mina kusanata sakata ba mema ki ba loi makambu oyu. Ezama. Tukolanda video ya makambuwana oba ideya ye minaku oye peni ba problem ya usaka anamuti. Alo awa jeune Afrika lobini chez telespectateur rencontre wabango ikuka kusala mati parce que partout, tandis que la tension entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila est montée, suivez chez téléspectateurs aux jeunes Afrique commis. D'un cran ces derniers jours en raison de la polémique autour de la réforme judiciaire déclenchée par les FCC de l'ancien président Kabila. Une médiation a été discrètement initiée par la MONUSCO. MONUSCO a lutté. Soto tiki batu obwi. Mote kopela me deje se yindaki. Do MONUSCO yeno mena reta paske deje zalaki ako yinda ba
Tangi, ministre de la Justice, ministre de la Justice à Kekuna Bimi, à l'obi onga yemei, yemei à l'obi kobangate. Yemei en gope, et bendele va problème. Tozo ye, monsieur, ça n'a pas surprise. Et ça somme. Nde bon monde va vendre, on a bangonio soba kotimbaï. Fatia l'axi bango ki yem taza président de la République. Do kabila yemo a mon kano douche sa mou. Avant de progresser dans la médiation à Monusco, tout l'andana ndeni makambo ibandaki. Avant de mettre l'oba makambo, nyonso, au jeune Afrika lobi, tout l'yo kananu, minaku, bongo après, tout yako yoka yemei. Notamment dans le domaine judiciaire. Ça signifie qu'à l'avenir, il y aura des réformes. Mais en l'espèce, nous avions déposé 3 propositions de loi et adoptées par la commission PAJ selon les prescrits républicains. C'est un processus porté maintenant par l'Assemblée nationale, par le bureau, parce que la commission PAJ vient de déposer, a dit par son président que le rapport sera déposé aujourd'hui ou demain au bureau de l'Assemblée nationale. Comme journaliste, il faut expliquer ces choses-là. Mais nous avons aussi noté que, au cours des travaux de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, où nous avons été invités, il y a eu un échange par rapport au timing, par rapport au temps, en ce sens que la session se clôture en principe dans 2-3 jours. Et donc la tendance, c'était que 6 propositions de loi en souffrance, en traitement, ça pouvait être, toutes ces propositions de loi pouvaient être mieux traitées au mois de septembre. Alors nous, initiateurs, ensemble bien évidemment avec la commission PAJ, s'il y a ce report pour le mois de septembre, ce qui paraît assez clair, parce qu'en 48 heures, on ne peut rien faire. Nous allons en profiter, étant donné que nous sommes de bonne foi, pour échanger avec les différentes structures, les différentes instances intéressées par cette problématique. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi Mina. Donc, Bango Baza déterminé que Bassa la yango, et puis a continué campagne na ye, ti na septembre. Donc, ta exacte, pourquoi ba reporter? C'est-à-dire, il y a quelque chose. Oui, comme na session ya septembre, timing est à mouki. Nanou bo reporter te. Oui, bo reporter na binomoko. Mais autant au peuple a qu'on reporte bino yango ne wane kozala somo parce que mon kolango boko kuta na masse moko ko sakana monte na septembre et zo la ça clairement ben dit cette loi oyo mina ko sakate ko lekati ba ko kite et ça ka façon ko le boko timing et pesa mi bien te il fallait to changer date to memango siko na septembre. En septembre, tant que je me mange au kuna, chers téléspectateurs, wana mon kolango ne kosa la benda bikati. Tant que peuple a koye ba mon koloba ko sangana, ba bevi na bango, ba député ba kosa nanzela ko lekate. Oke de gauche wewa, oke de droite wewa, oke liboso bana kankon de bazana ba police. Mais bozana problème. Ba ko kotsa bango. Alors, Fachi azaki na kolera ko saka na ngoti. Alors, ndenge bo moni wana, lwa mina kusakata, yango bo zo mona, ba point oyu, dosyo eza somo. Parce que, oye komami oyo soko botali chez téléspectateur Fatia Zanakanda. Asana kolère.
na conférence oyo bazanango, je m'excuse pas, conférence na conseil des ministres. Donc selon des sources, Bayebisi Tunda a se déconnecté. Donc azate lilou. C'est fait que pour toujours une rencontre na Kabila, toujours on na poana, c'est que Tunda kalate démissionnaire. Le président de la République lui a demandé de se déconnecter. C'est même vendredi, lors du conseil des ministres. Lui a également demandé d'aller vers celui qui l'avait appelé le jour de son audition au parquet général près de la cour de cassation, Yemei. De trouver une autre personne pour le remplacer. Ainsi que indiquent les médias en ligne. Donc, Makambu Oye et Tambo n'a pas réseaux sociaux pays. Ba komi yango na ba media. Donc, ce qui, à mon anité, c'est soit Ndel Don, pas ceci le kaki. Ce qui te vérifie que vraiment Kende Kiti, pour te vérifier te, avant de ça l'émission. Ce qui a Kende Kiti. Donc, je me suis sauvé à Zara qui en lit passé, bah, on s'en a une vidéoconférence. Alors, bah, c'est là qui a déconnecté. Donc, je suis clairement qui a démissionné. Alors, chers téléspectateurs, Tolanda, excès, en tunda, où est bien, il y a un problème, bon, on peut continuer l'émission, la mission. Chers téléspectateurs, Tolandi wana ya lobi yeme ya lobi kobangati yeme ya ngotala makambo yeli ba yebisiye a se déconnecté donc na conseil des ministres salati. Alors chers téléspectateurs, wana ba source. Alors et l'eau que ça vrai que soki a sala kite, ils ont moins clairement que démissionnaye, ils ont ezalanzi là. Parce que bazo salango na vidéoconférence, tout ça. Ils ont senga que moutou moko a sala kuna loba que oui, ya sala ki a linte et tout cela. Donc, départ en tout cas, c'est dans le gouvernement. Parce que yon ta luki ma kambo nyonsu. Alors, les amawashe téléspectateurs. Ba yebisie ki asalate. Alors, lelo fatisiko yo nana kabili monte zopela. Alors, toke ne siko na ponwana. Oyo, to lobaki ne bandeli. MONUSCO, baso sa la médiation,
entre Fatshi na Kabila. Alors, chers téléspectateurs, jeune Afrique, ndeboso mwana wana, dont la dame a sali travail na ye, a kepa Kabila, a kepa Fatshi, dont azo ken de l'autre côté, parce que Fatshi a linga ki a boya ki pena kokuta na ouye. Mais, Leila Zerougi a sali tout a bonde le Fatshi bakoutana. Boye bia sa, représentante en RDC, il y a secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors, finalement, Bakoutana qui Basoulula qui Fatshi na Kabila, mais va tension à ma casse. La chef de la MONUSCO souhaite amener le président congolais et son partenaire de coalition à se rencontrer plusieurs moments pour résoudre le dossier. À Banda qui bana le 27 juin, chez téléspectateurs, bana le 27 médiation. Alors, le bakouta do, c'est-à-dire, pe Fatshi a l'ouvre na Kabila ke moutou na yo, ou pe se joa moutou na luke langa moutou moussous. Donc, tunda, azo mouana ki, aoza al chute. Parce que où est le qui? Moutignon sa landi ango. Alors, jeune Africa a l'obiki. La dame a fait travail à ma kasi. Donc, MONUSCO ba tu ango en charge. Bake bakouta na Fatshi. Bake bakouta na Kabila. Kabila azo alaksa ba face. Moko a oya bombi oya bim. Donc, on se mona ke présence à la Kabila na RDC, ça ka ba problème. Et puis, loko sala ka mako tala bata FCC, ba banga kandenge moko. De yeso a lobi ko bango tunasi. To ba banga ke babe. Ba secret bima ki yande ko kala la oa de longwa ki na FCC. A lebe a retrouvé pe na yi. Donc kuna sa ki na pete. A retrouvé liberté na yi. Soko yo ki en professeur ba kubadu a zo lo ba bon. Sa di kuna isa ma wa tro. Donc kote a Kabila pe na. Donc kuna pe na ba don a sala bon pe na bongo. Alo Fatshi siko yo a tche ma kambu na mesa. Chers téléspectateurs, Fatshi a me ma kamune male male me koma na ler moko. O me kibo eko simba te. O ke gauche eko simba te. O, don, ndenga zawana batu ya FCC ba komi kotala na bango na bango. Na yeme inabino, ye wana. Alo Fatshi a raison. Ete tunda kase nsoko demisyon na demisyone. Ba pesa imutu mususu. Na kati ya FCC ona ba vre kongole bazani. Ope na bazana posa ya mboka. Mebele bazana bango wana. Bazana bango kapo na be intere na bango. Na be intere na mutu na bango. Alo, chers telespectateurs. Pon tu tiki ya mwana bino. Ndetu landi wana. Donc, minaku, naba luana yeko suke la bango mabi. Alors, ton to résumé point oyoboye, ete dossier Kabila na Fatshi, Fatshi asya di position moko alikolo, Kabila zo koka li susuti. Nandinga ba negociation, naba kamo ebele. Alors, tu sais que mon abino, chers téléspectateurs, tu comment les canaux résumés, messieurs. Premier point, Tolobaki était dossier ya, oya, ndebo mona kiwana ya, kivu, batwana, il faut pas l'oukaba kamabang, ou basa ou république de kivu. Et puis, deuxième point, Tolobaki ya mida, tandis bientôt à cause de la
Et puis, troisième point, au Toto Lobawa, Fachi, et Tshisekedi. Et bien, Fachi, Fachi, na Kabila. Alors, et ça, Bendabika. Parce que, ma kambo ou te le kantunda, tunda pe, kalate démission. Bon, abonnez massive, ma chère téléspectateur. Merci d'avoir l'émission. Merci pour avoir commenté. Au revoir. À la prochaine.